Restant toujours dans la province du Nord-Kivu, une visite d'inspection des travaux sous fond fonaire dans la ville de Butembo aux allures d'un rassemblement politique. C'est ce qui était réservé à Georgine Selemani lors de sa descente dans cette partie du pays. La directrice générale en intérim de cette entreprise publique était accompagnée par le gouverneur de province, une expression du bon niveau de collaboration entre le bailleur d'entretien routier et l'exécutif local ainsi que des privés, l'objectif étant commun de routes adéquates pour faciliter le développement. Une forte mobilisation de la ville de Butembo. Ces drapeaux des partis politiques n'annoncent pas un rassemblement politique, mais l'inspection des travaux par le directeur général ad intérim du fonds d'entretien routier en mission de la ville de Butembo. Les derniers fonds du Foner étaient affectés aux travaux dans cette ville du Nord Kivu et le gouverneur de province s'est fait le plaisir d'accompagner la délégation lors de sa descente sur le terrain. Nous avions capitalisé l'apport du Foner et nous avions demandé à l'OVD de faire d'abord les travaux d'assainissement de cette avenue. C'est aussi ça le métier de la voirie. Nous voulons un développement intégral de la province. Nous avons déjà fait quelque chose à Goma. Nous sommes sur quelques chantiers à Beni et nous voulons effectivement amplifier ce rythme de travail. La présence de Georgine Selemani Toulia à Butembo est une occasion de communier directement avec la population en langue locale. Le financement du Foner a permis les travaux essentiellement de deux natures, assainissement, entendez entretien des caniveaux principaux le long des routes et caniveaux perpendiculaires évacuant les eaux vers les rivières. Il y a eu aussi le rechargement de chaussées par le remblayage et le compactage avec la latérite. Les bénéficiaires sont émus. Quand il pleut, il y a beaucoup de ravins là qui ne nous permettent pas de circuler librement à cause de... La visite du DGAI du Foner a permis au gouverneur de province via l'OVD de solliciter une rallonge budgétaire pour pouvoir terminer les 1200 mètres des travaux. Georgine Selemani Toulia a promis de faire les nécessaires pour permettre à l'OVD d'atteindre le 72% des travaux restants.